Bonsoir, chers parents. Merci. Donc, ce qu'on va faire cette année, je vais vous parler de ce que nous allons faire au programme avec les enfants cette année. Donc, juste le temps de partager la vidéo et puis on pourra commencer. Voilà, le partage a été fait. Donc, pourquoi est-ce que l'activité de vacances a été créée? Pourquoi Enfants d'Excellence? Enfants d'Excellence a vu le jour au milieu de la pandémie du corona. Parce que je m'étais rendu compte que beaucoup d'enfants restaient à la maison. Et étant donné qu'ils ne partaient plus à l'école, on a été forcé de ne pas envoyer nos enfants à l'école. Ils étaient à la maison et la seule chose qu'ils avaient, c'était la télé. Donc, je me suis dit, on ne peut pas se permettre d'avoir nos enfants juste comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai d'abord commencé avec deux enfants. La première élève qu'on m'avait emmenée, elle avait 13 ans. Elle était têtue, entre guillemets têtue. J'ai commencé à tester des méthodes que j'ai désormais fait. Donc voilà un des flyers. Nous avons donc monté, c'est une école carrément, une école d'incubation de potentiel pour vos enfants. Donc les activités que nous avons ont été façonnées pour permettre à vos enfants de se découvrir. Parce que beaucoup d'adultes souffrent. Donc j'ai utilisé ce que je trouve dans le coaching et que j'utilise dans le coaching aujourd'hui pour aider les adultes, pour donc façonner les programmes des enfants. Parce que si on veut réparer un adulte, autant mieux qu'on guérisse l'enfant. Le futur adulte, si on le guérit maintenant, en tant qu'adulte, on n'aura pas de problème avec lui. Donc, nous avons les cours d'art oratoire. Donc, à partir de la semaine prochaine, les professeurs auront l'opportunité de se présenter eux-mêmes et de vous montrer, d'avoir pour vous ayez un avant-goût de ce qu'ils font. Vous savez, j'ai appris à parler, j'ai appris à m'exprimer. Ce n'est pas venu naturel chez moi. J'ai dû apprendre. Et beaucoup d'entre nous, nous ratons nos opportunités. On va pour un emploi, on a des situations où on a besoin de faire des trucs et on ne sait pas parler. Parfois, on te demande qui a fait ça. Tu ne connais pas te défendre. Donc là, oratoire, c'est pour permettre aux enfants d'apprendre à parler, à défendre leurs idées devant les gens. Ce qui manque aujourd'hui, ça manque de nos jours. Généralement, quand tu vois un monsieur ou une dame avec son enfant, tu salues l'enfant. L'enfant se cache derrière son père. L'enfant n'a pas de personnalité. Il est l'enfant d'eux. Donc, on aide à travers les cours d'oratoire. Nous aidons à créer une image personnelle de votre enfant. Tu peux être la présidente de la République. Si tu n'as pas montré des valeurs à cet enfant ou tu n'as pas aidé l'enfant à se connaître, écoutez, tout l'argent que tu es en train d'avoir là, ça ne va pas donner. Et j'ai passé quelques années avec ma fille, qui a aujourd'hui 12 ans. Ceux qui parlent à ma fille peuvent comprendre et connaître de quoi je parle. Elle n'est pas juste un joli visage qu'on va regarder et dire, ah tiens, la fille de... Je lui ai toujours dit, tu vas faire ton nom parce que tu seras toi, pas parce que tu seras mon enfant. Et malheureusement, on travaille, on bosse. On veut construire un futur pour l'enfant. Mais ce futur, ce n'est qu'avec l'enfant aura 25 ans, comment se dire, oh, j'aurais dû m'assurer que tu savais même où tu partais. Donc, l'oratoire va permettre à l'enfant de bien s'exprimer. Il y a les cours d'entrepreneuriat. Et quand j'enseigne l'entrepreneuriat, ce n'est pas votre truc quand vous faites la théorie là. L'année passée d'ailleurs, on avait une petite qui avait 8 ans. Son père, elle s'appelait Ngohele, tout comme ça. Son père s'est séparé de sa mère et son père a
beaucoup investi son temps pour créer son entreprise. Ce qui fait que le père n'avait pas le temps pour sa fille. Je me rappelle le premier jour, il m'a vu. Je peux dire que financièrement, il ne pouvait pas se permettre de payer 60 000 francs pour que sa fille vienne pour un mois de cours chez moi. Et elle vivait loin à Niala. Donc chaque matin, un de mes anciens devait faire Niala. Il quitte ici à Bamako, il paye pas à Niala chercher l'enfant, il vient rester avec elle. Le soir, on va la déposer à Niala. Elle était toujours, elle n'avait pas les chaussettes quand elle arrivait. La tête était tout bizarre, n'était pas ouin, les choses comme ça. L'enfant, elle dormait toujours à mes cours. Première semaine, j'ai dit, chaque enfant doit avoir une activité. Je vous permets de vendre dans le centre. Les gens sont venus avec les crêpes, les gâteaux. Elle a vu son père, elle a dit, papa, achète-moi un paquet de bonbons. Je vous assure, la fille ne parlait pas. Prochain cours. Bonbon, bonbon, bonbon. Je dis que, hey. Que, mais, tu ne parlais. Elle dit, non, non, bonbon. L'enfant là, hein. Tu viens, tu parles n'importe quoi. Elle vient te tendre les bonbons. Souvent, les professeurs venaient quand ils venaient faire les. Parce qu'on a aussi les découvertes de métier. Quand le professeur venait, il dit, ok, c'est combien? Elle dit, 1 500 tout le paquet. Il dit, ok, il donne 2 000. Il dit que partage à tous tes camarades. Sans ça que la fille a pointé tous les jours. Et à partir de ça, j'ai pu déceler chez cet enfant qui avait 8 ans. Que cet enfant, peut-être, elle est frustrée à l'école. Parce qu'à l'école, il m'avait dit qu'elle avait un retard. Imagine le genre d'enfant que. Elle dormait seulement, tous les coups, elle dormait. Mais quand on a commencé l'entrepreneuriat, l'enfant a commencé à vendre. Donc, notre but avec vos enfants, c'est de permettre que l'enfant ait une vision. Donc, il y a les cahiers que j'ai écrit. Ça fait il y a 2 ans que j'ai écrit ces cahiers pour les enfants. J'ai écrit ce livre, ça s'appelle Mon cahier de vision. Donc là derrière, vous avez ma biographie. Et puis vous avez. Je vais vous lire un peu ce qu'il y a, le résumé qu'il y a derrière. Rêvez-vous d'avoir des enfants autonomes? Ne savez-vous pas comment améliorer les performances de vos enfants? Vous avez beau les motiver à la lecture, mathématiques et autres, mais le résultat est le même, sanguin véritable. Les parents désirent par-dessus tout la réussite de leurs enfants, mais parfois ils ne savent pas comment s'y prendre correctement. Entre le travail, la vie de couple, la vie professionnelle, un parent a très peu de temps pour se concentrer sur sa progéniture. Les jeux, les amis, la télévision et les réseaux sociaux deviendront donc de bons compagnons pour vos enfants. Et ça vient donc boucher ce manque à combler chez l'enfant. Ce qui bien des fois donne des résultats peu louables et impacte d'une manière ou d'une autre le devenir chez certains. Après des années de travail avec des enfants, par le moyen du coaching à distance et physique, le pasteur et coach Jocelyne Kouo, qui est ma personne, j'ai pensé à ce manuel d'incubation de potentiel afin de porter secours à tout parent, désirant stimuler de la conscience véritable chez son enfant pour qu'il devienne un champion. Voici un excellent guide qui propose des outils nécessaires pour une marche progressive vers l'éclosion du potentiel de vos enfants. Bonsoir, Enéo a fait son travail donc. Donc, à travers les exercices, l'enfant, ce cahier de vision coûte 10 000 francs. Le cahier de vision. Les cours de vacances, pour ceux qui demandent déjà le prix, les cours de vacances, c'est 60 000 francs par enfant. Donc, sur le campus, les enfants, chaque jour que l'enfant vient ici, c'est 1 000 francs pour sa nourriture et sa boisson. Donc, j'encourage les enfants à manger sain, à manger la nourriture qui est cuisinée le jour. Là, beaucoup d'enfants, les 2 dernières années, j'ai vu des enfants venir avec le pain au chocolat tous les jours. Et ces enfants, pain au chocolat, jus gazeux. Ils sont fatigués pendant les cours, ils courent dans tous les sens à la pause, on peut les irriter facilement. Donc cette année, j'ai mis, c'est obligatoire pour tous les enfants. Ils vont manger ce qu'on fait sur le campus. Et ici, on fait la nourriture, on ne peut pas paver le cube. Je les encourage à manger bio. Parce qu'il y a aussi un passage où on va parler de l'agriculture biologique. Qu'ils comprennent. Donc, 60 000 francs le mois. Et quand on paye les 60 000, vous recevez aussi un cahier de vision. Vous recevez un cahier pour l'enfant. Donc, il y a aussi possibilité de venir, ceux qui sont dans d'autres villes, vous envoyez l'enfant pour une semaine et il va dormir sur notre campus. Donc, les enfants peuvent venir dormir sur le campus à Makepe. Voilà. Donc, ça va avoir d'autres frais. Donc, il y a les frais de logement. Et puis de nourriture, voilà. Alors, je sais qu'il y a des personnes, vous êtes à l'étranger. Parfois, ta mère ne peut pas amener l'enfant tous les matins, le ramener le soir. Et on a aussi l'option où
les moniteurs, on a des assistants qui peuvent accompagner les enfants à la maison. Et le matin, on vient les chercher. Donc, on va les déposer le soir. Et le matin, on vient les chercher, on les amène ici. Donc, parce qu'il y a des parents, je sais que vous travaillez, vous ne pouvez pas amener les enfants. Donc, dans les cours d'entrepreneuriat, on va aider l'enfant à découvrir sa mission de vie, l'aider à découvrir son potentiel, à développer sa vision, avoir confiance en ses capacités internes, à être autonome, autodidacte, à utiliser les moteurs de recherche comme Google. On va développer la créativité de l'enfant, sa patience, sa persévérance, sa confiance en soi et son amour pour la lecture. Et on va l'aider aussi à se connecter à ses parents. Donc ça, ce sont les bienfaits de ce livre. Ça s'appelle « Mon cahier de vision ». Donc on aura aussi le cours de judo. Beaucoup de personnes, si vous saviez vous défendre, certains hommes ne vous auraient pas tapé dessus. On ne vous aurait pas agressé. Donc le judo, c'est quelque chose qui aide l'enfant à construire sa confiance en soi, qui l'aide aussi à mieux communiquer, à se discipliner, à être ordonné. On va aussi parler du... il y aura les cours de cuisine, les cours de danse. La danse, on a un professionnel qui va venir ici 3 fois par semaine pour enseigner la danse aux enfants. Donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On aura aussi le community management parce que les réseaux sociaux sont inévitables. Beaucoup d'entre vous, les parents, vous avez, vous venez sur Facebook seulement pour regarder les vidéos des autres. Donc nous voulons amener vos enfants à créer leur propre contenu. Donc le community management, ça va inclure YouTube, ça va inclure Facebook, TikTok et d'autres nouveaux réseaux qui sont en train d'être, de prendre de l'ampleur. Donc, on va aussi parler d'agriculture biologique. Donc, nous prévoyons faire une descente sur la plantation de M. Changa à Penja. Donc, il fait de l'agriculture là-bas. On voudrait bien que les enfants voient comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent en faisant de l'agriculture. J'ai été dans des pays en Afrique, comme le Gabon par exemple, où il n'y avait pas... il y a de la terre, mais les gens ne cultivent pas la terre. Parce qu'ils simplifient la terre. Ils veulent seulement le boulot où on passe à soi, on met la cravate. Donc, mon but... Et celui de mes enseignants, ce sera de permettre à vos enfants d'apprendre à se discipliner. L'année passée, par exemple, j'avais des enfants qui arrivaient. Tu vois, un enfant de 4 ans qui arrive et elle prend le ton de ce qu'on fait. Hein. L'année passée, il y en avait une en particulier. Elle arrivait à 3 ans. Quand sa grand-mère arrivait, elle a dit vraiment, l'enfant, si, elle m'a déjà dépassé. Il dit à sa grand-mère qu'elle ne te dérange pas. Premier jour, elle est sur les jambes de tout le monde. Tout le monde la portait. Elle dérange tout le monde, tout le monde. Deuxième jour, je mets la punition. Elle se met debout. Les gens sont assis. Elle regarde, elle dit merci. Troisième jour, elle voit comment on félicite et on récompense ceux qui sont arrivés tôt. Ceux qui se comportent bien. À partir de la semaine qui a suivi, le bébé ange, elle est arrivée à l'heure avec sa soeur. Parce qu'on fait dans les cours d'entrepreneuriat et de coaching, on aide aussi les enfants à gérer leur temps. On aide les enfants à gérer leurs finances. Que tu donnes 500 à l'enfant le soir, l'enfant a tout mangé. Et je dirais, l'une des choses clés, je peux dire des activités phares, c'est la lecture. Il y a même le jeu d'échecs. Je crois qu'ils ont oublié de mettre les jeux d'échecs. Il y a les jeux d'échecs qu'on fera. Il y a la lecture. Et il y a aussi la vision. Pour moi, aussi jeune que 3 ans, un enfant doit savoir ce qu'il veut faire dans sa vie. Il doit savoir... Pourquoi il veut faire la chose? Comment il va faire la chose? Qui a déjà fait la chose qu'il veut faire? 3 ans, oui. Voilà. Donc, on fait toutes les activités sauf l'école. Donc, je ne vais pas faire les mathématiques avec les enfants ici. Je ne vais pas faire la géographie, non. Mais on va leur apprendre à parler. On va leur apprendre à réfléchir, à résoudre des problèmes. Vous-même, vous savez, vous êtes passé à l'école, vous avez eu la licence. Après, vous avez encore dû faire autre chose pour compléter et être quelqu'un dans la société. Donc, c'est ça. On aide aussi pour la discipline personnelle. Et mon but, c'est d'ouvrir l'esprit de vos enfants. Donc, l'année passée, on avait une rubrique qu'on appelait « Découverte de métier ». Donc, on a eu un mécatronicien qui est venu. On a eu quelqu'un qui était ingénieur chez Tractafrique qui est venu aussi. Et ils ont parlé de leur métier. On a eu un journaliste qui est venu. Le journaliste Boris Banteke, il est venu. On a eu un motivational speaker et coach Bertrand Thiotop. Il est venu aussi là parler de son métier aux enfants. On a eu un médecin, un chirurgien qui est venu. Il a parlé de son métier de chirurgien. On a eu un prêtre, le père Haïssi. Le père Haïssi de Ange Raphaël, il est venu. Il a partagé son parcours. Il était banquier avant de devenir prêtre.
Il a fait ses études, il était banquier pendant quelques années. Il a décidé de devenir prêtre. Il est parti faire 10 ans encore avant de devenir prêtre. Et comme par hasard, il avait un enfant. Donc il est obsédé par. Il veut devenir prêtre dans sa vie. Donc quand on a amené le prêtre là, oh, sa mère était contente. Le père Aïssi a parlé au jeune homme. Il a posé les questions. Donc l'enfant, en rentrant chez eux à la fin des vacances, il connaissait ce que ça veut dire qu'être prêtre. Et parfois, c'est ce qui nous manque. Tu veux faire quoi dans la vie? Ah, moi, je ne sais pas. Et vous allez vous acheter les Air Max à l'enfant. Vous achetez les grosses chaussures à l'enfant. Vous achetez, oh, je vais t'envoyer, tu vas aller te balader au Canada. Tu vas aller te balader. Ok. Qu'est-ce que tu as planté dans l'enfant? Voilà. Donc, le cahier de vision est disponible. Hein. On poste partout dans le monde. Moi, je poste partout. Donc, il y en a en français et en anglais. Il y a la version anglaise de ce cahier. Et si vos enfants ne peuvent pas venir sur place, prenez le cahier de vision, vous leur donnez comment ça bosser. Et la lecture aussi. Donnez des documents à vos enfants qui vont leur permettre d'ouvrir leur pensée. C'est à 45 ans que vous commencez le développement personnel. Imaginez si on vous avait montré ça à 7 ans, 8 ans. Ce que vous seriez devenu. Voilà. Donc vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un, ça va l'aider. Ça va sûrement aider quelqu'un. Et on met aussi l'accent sur les biographies. Je pense que quand on connaît l'histoire des personnes qui ont fait ce qu'on veut faire, nous aussi on a confiance en notre capacité à pouvoir accomplir cette même chose. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous avons les inscriptions commenceront mercredi. Donc on a des places limitées. Je ne veux vraiment pas qu'il y ait de l'affluence. J'ai mis mes prix comme ça parce que je sais que je vais apporter le meilleur à vos enfants. Je veux vraiment apporter la crème de la crème. Les deux années précédentes, il y a même les cours de musique. Je crois qu'ils n'ont même pas mis de musique ici. Il y a la musique, oui. On va faire les cours de piano et de chant. Il y aura ça. Il y aura la danse. Il y aura l'oratoire. Donc voilà les programmes phares. Et puis il y aura l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté. Et surtout, que de tout ce que j'ai dit là, même si vous ne faites pas ce programme pour vos enfants, commencez à donner vision à vos enfants. De temps en temps, parlez du futur de votre enfant à votre enfant. Parce que malheureusement, on cherche l'argent, mais on n'a pas. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce que vous voulez que vos enfants deviennent demain. Or, dans ce livre, tout est planifié. Par exemple, là, l'enfant connaît la future carrière qu'il va faire. Carrière. Il connaît ce que c'est qu'un métier. Et là, il y a la planification des 20 prochaines années. Regardez. Donc, l'enfant doit mettre les années. Les 20 prochaines années de l'enfant, il sera dans quelle école, en train de faire quoi? L'école là est où? Si l'enfant veut partir à Harvard, à partir de 6 ans, l'enfant peut se préparer. Il réussit à partir à Harvard quand il a 20 ans ou 17 ans. Tout, c'est la vision. Voilà, donc vous avez les contacts sont en haut de cette vidéo. Si jamais vous voulez souscrire au programme. Pour ceux qui sont à l'étranger, je précise que vos enfants peuvent venir. Vous pouvez permettre, on permet bien sûr à vos enfants de venir et de dormir sur le campus. Donc, il y aura des personnes qui vont aider dans ce sens-là. Vous pouvez venir dormir sur le campus. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et aidez vos enfants, s'il vous plaît.